Alléluia, quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Alléluia, socorababaya, alléluia, pousse. Alléluia, socorababa, si carumbe, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Il y en a parmi nous qui ont honte de lui, mais il y en a qui n'ont pas honte de toi. Jésus, nous t'acclamons, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nos cœurs te célèbrent et t'adorent. Tu es notre passion, tu es notre vitalité. Oh, y a-t-il quelqu'un pour acclamer? Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie le plus beau de tous les fils de l'homme, le premier des rois de la terre, l'incomparable et le vivant. Il était mort. Personne n'est comparable à toi. Tu es Jésus et tu es présent par ton Esprit Saint. Nous t'honorons, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, notre paraclet, nous te célébrons et nous magnifions ton Saint-Nom et nous t'honorons, nous te chérissons. Ah oui, dans la clamade des beaux saints, dans l'assemblée des saints, nous te célébrons et nous t'adorons. C'est un exercice spirituel que d'acclamer le nom du Seigneur. C'est un exercice spirituel, abrande de bobo shabayama, ene de bossa, ene de bossa da raba, mayande de broko shoraba, yanda la baba sokoraba, yika da raba ne de bosso koraba. Nous t'aimons, nous te remercions, nous te remercions. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te célébrer. Ce matin, merci notre Père et notre Dieu. We thank you. Merci pour ta présence, magnifique Jésus. Magnifique Père, magnifique Saint-Esprit. Esprit du Père et de Christ, tu es bienvenu en ce lieu. Bienvenue en nous, bienvenue au milieu de nous. Merci de remplir l'atmosphère, tu l'as fait dans le premier culte et tu le fais pour toute cette journée que nous te consacrons. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés ce matin, c'est la grâce de Dieu qui nous a réveillés. C'est la faveur imméritée de Dieu qui nous fait tenir debout ce matin. Nous te sommes reconnaissants, nous t'aimons. Toi, la grâce qui a été rendue visible, toi, la grâce qui a été manifestée, c'est par toi que nous sommes là. C'est le nom de Jésus qui nous unit. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous t'honorons, nous t'honorons. Dans nos cœurs et non pas dans nos bouches, nous t'honorons, nous te remercions, nous te remercions, nous te bénissons, nous te bénissons. Merci, merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu représentes pour nous. Je vois ce que tu as commencé à faire, Papa, depuis tellement de semaines, depuis tellement de mois maintenant. Comment tu es en train de nous emmener de gloire en gloire, de progrès en progrès, de révélation en révélation, de prise de conscience en prise de conscience. Je vois depuis un an nos vies sont en train d'être changées par la puissance de ton esprit. L'esprit envoie la parole et la parole nous transforme, nous restaure nos âmes. Nous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous ne prenons pas pour acquis la présence du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Christ en nous. Non, nous sommes honorés, nous sommes privilégiés, nous sommes fiers de t'appartenir. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit le nom de notre Père, béni soit le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, béni soit le Saint-Esprit envoyé par le Père et par le Christ, Jésus de Nazareth, béni sois-tu, merveilleux Père, le Père dans le ciel, tu es béni, le Père en nous, Saint-Esprit, tu es béni, nous t'honorons, nous te reconnaissons, oui, nous t'adorons, nous te célébrons. Rappelle-toi, souviens-toi que par ta grâce, nous sommes nés pour faire ton plaisir. Nous sommes nés pour t'aimer par ta grâce, te glorifier par ta grâce, te chérir par ta grâce, te révéler au monde par ta grâce. Et nous y allons petit à petit par ta grâce. Il n'y a rien que nous faisions et nous fassions qui vient de nous-mêmes, mais tout n'est que grâce. Tout vient de ta grâce. Nous chérissons ta grâce. Nous apprécions ta grâce. Nous te rendons grâce pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta grâce. La grâce a été libérée. La grâce a été manifestée.
La grâce est disponible, la grâce est abondante, elle est même surabondante. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous comptons sur ta grâce. Demain, nous compterons sur ta grâce. Après-demain, nous compterons sur ta grâce. Sans ta grâce, il n'y a rien. Avec ta grâce, nous avons tout. Béni sois-tu de ce que la grâce, le bonheur, la grâce nous accompagne, nous poursuit partout où nous allons par ta grâce. C'est toi qui fais toutes ces choses, Père. Avant de mériter quoi que ce soit, nous n'avons rien mérité, Père. Mais c'est toi qui nous fais grâce. Merci, nous honorons ta majestueuse grâce, esprit de grâce. Béni sois-tu, Papa. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te chérissons. Et ce matin, parce que nous t'aimons, nous voulons encore t'acclamer. Pas t'applaudir, t'acclamer. Acclamer ton nom, acclamer ton nom, acclamer ton nom. Tu es notre Père, fier de t'appartenir. Notre Papa, notre trésor, notre bien-aimé, notre tant aimé Père, notre tant aimé Maître. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur. Si quelqu'un n'a pas envie de t'acclamer, je t'acclamerai. Si personne n'a envie de t'aimer, je t'aimerai. Si personne n'a envie de te célébrer, je te célébrerai. Tu es mon époux, tu es mon Jésus, tu es mon ami, Saint-Esprit, mon confident, mon complice, mon compagnon. Je t'aime et je te rends gloire, je te rends grâce. Ce matin, merci d'inspirer, Père, les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ce matin, parle à nos cœurs. Ce matin, challenge, repousse encore nos limitations. Brise encore les barrières, renverse encore les obstacles, les forteresses, les raisonnements. À balai ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Toi qui as commencé cette œuvre depuis tellement de semaines, tellement de mois maintenant, tellement d'années maintenant, toi qui es fidèle pour nous, parfaire pour nous amener à la maturité, à l'image de Christ, à la stature d'homme fait, à l'image de Christ. Toi qui as commencé cette œuvre, pas au pasteur, jamais, mais à toi seul, Jésus de Nazareth, présent par le Saint-Esprit, toi qui fais ses œuvres, toi qui fais ton œuvre en nous, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Pas des applaudissements, mais des acclamations en ton honneur. Nous te remercions et nous te bénissons. We love you, Father God, we love you. Par ta grâce, nous t'aimons, Seigneur. Par ta grâce, nous t'aimons. Merci, merci infiniment. We love you, God. Vraiment, je veux dire ma reconnaissance. Merci. Merci. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen, amen. Reconnaissant. Tu vois, le fait que tu es debout, sois reconnaissant. Le fait que tu sois assis, sois reconnaissant. Le fait que tu peux te prosterner, t'agenouiller, sois reconnaissant. La Bible dit, rendez grâce. Nous sommes reconnaissants. Nous ne prenons rien pour acquis, nous sommes reconnaissants. Nous t'aimons, Père, par ta grâce, nous t'aimons. Nous t'aimons, vraiment, nous t'aimons. Au nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants. Quelqu'un me dit amen. Nous allons prendre place. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue. Bienvenue ce matin dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous sommes au Congo, Brazzaville, le pays où Dieu règne. Nous poursuivons ce matin, comme nous le faisons depuis plusieurs mois maintenant, notre thème, le grand thème dans lequel nous sommes, la conscience de Christ. Voyez, ce matin, en premier culte, hier, le Seigneur est en train de me rappeler, l'écho est un peu fort. Essayez d'ajuster ça, s'il vous plaît. Hier, le Seigneur me rappelait à quel point, quand on parle de la conscience de Christ, quelqu'un me dit la conscience de Christ. Nous parlons depuis plusieurs semaines maintenant de la conscience de Christ, c'est-à-dire de la conscience. Si quelqu'un a donné sa vie à Christ, si quelqu'un est né de Dieu, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né dans le royaume de Dieu, il devient ce qu'on appelle une nouvelle création. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le problème, c'est que la réalité, c'est que la grande majorité de ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas conscients que Dieu est venu habiter à l'intérieur d'eux. Nous ne sommes pas conscients que Dieu est venu habiter à l'intérieur de nous. Et en réalité, cette perte de la conscience, elle a eu lieu depuis le jardin d'Éden. Au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé le monde, puis il a mis Adam et Ève dans cet environnement qu'on appelait Éden, il a donné à Adam et Ève un seul commandement. Ils ne touchent pas au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin.
Et nous connaissons tous les conséquences. Ils ont désobéi à Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Adam et Ève, tout de suite, la première chose qui s'est passée, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils virent, ils constatèrent qu'ils étaient nus. Autrement dit, ils ont pris conscience, non plus de Dieu en eux, mais ils ont pris conscience de leur nature humaine. Ils ont pris conscience qu'ils étaient faits de chair. Depuis la chute, l'être humain, même quand le Saint-Esprit est revenu il y a 2000 ans, les humains ont été tellement formatés, moulés dans la conscience qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont oublié qu'un être humain est d'abord avant tout un être spirituel. Ils ont oublié qu'ils sont des esprits. Ils ont oublié que le monde que nous voyons n'est pas, et le monde de matière que nous voyons, n'est pas le véritable monde. Ils ont oublié que le véritable monde, c'est le monde qui précède la matière, c'est-à-dire le monde de l'esprit, le monde spirituel. Quelqu'un me dit amen. De la même manière que toi-même, quand tu te vois, tu n'es pas tellement conscient que tu es un esprit. Voilà pourquoi nous passons beaucoup de temps à améliorer, à nous vêtir, à acheter des vêtements, à manger pour nourrir notre corps naturel, mais pas notre corps spirituel. Nous investissons beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour tout ce qui est futile, pour tout ce qui est juste apparent et pas pour la réalité. La réalité, c'est l'esprit, le corps spirituel. Quelqu'un me dit amen. Et c'est parce que nous avons perdu la conscience de Dieu en nous. D'abord la conscience que nous sommes des esprits. L'homme est un être spirituel, il possède une âme et il habite dans un corps. L'homme est un être complexe, composé de trois parties, de trois personnalités distinctes, mais en même temps l'homme est un. L'homme est un et l'homme est trois en un en même temps. De la même manière que notre Père et notre Dieu et notre le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un. C'est trois personnalités distinctes, mais un. Quelqu'un me dit amen. Et quand nous parlons de la conscience de Christ depuis quelques semaines, depuis quelques mois plus tôt, nous parlons de Dieu qui est venu habiter en nous. C'était la promesse qui avait été faite depuis les temps anciens que Dieu viendrait habiter à l'intérieur de l'homme, dans la partie de l'homme qu'on appelle l'esprit de l'homme. Or, le problème, quand le péché entre dans le monde, ce qui a été souillé, c'est l'esprit qui a été souillé. L'esprit a été souillé et l'esprit a contaminé l'âme et le corps. Je répète, la source a été polluée. L'homme est un esprit. Quand la source, l'esprit est pollué, l'âme et le corps sont pollués. C'est exactement ce qui s'est passé. Et lorsque Jésus vient, il y a 2000 ans, pour ôter le péché, transformer l'individu, il transforme à partir de la source, c'est-à-dire à partir de l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qu'il fallait changer. Pas le corps, non, c'est l'esprit de l'homme. Or, le problème de l'esprit, c'est qu'on ne le voit pas. Même toi, tu ne vois pas ton esprit. Ton esprit est à l'intérieur de toi. L'esprit, c'est le véritable toi. On t'a mis une peau qu'on appelle terre, à la terre, à ce corps de terre. Mais en réalité, à l'intérieur de ce corps de terre, il y a l'esprit. Tu es un esprit, je suis un esprit. Quelqu'un me dit amen. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a donné sa vie à Christ, il devient, pas il sera, il devient automatiquement une nouvelle création. C'est-à-dire, il devient un nouvel esprit, un nouvel homme. À la nouvelle naissance, lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est l'esprit qui est recréé. Il n'est pas amélioré, il n'est pas juste nettoyé. Il est recréé, c'est une nouvelle création. C'est-à-dire que la différence entre toi qui es né et toi aujourd'hui qui es né de nouveau, ça n'a rien à voir. C'est comme le jour et la nuit, ça n'a rien à voir du tout. L'ancien esprit qui était en toi, celui que Dieu a changé, il était impur, il était sale, il était souillé, il était méchant, mauvais. Tout le mal venait de lui. Mais si quelqu'un est en Christ, son esprit a été recréé. Donc on a changé la source. Quand on change la source, on peut changer la ressource. Quelqu'un me dit amen. Et ce qui s'est passé à la nouvelle naissance, c'est ça mon frère. Tu es un nouvel homme, un nouvel esprit, une nouvelle création. Dis avec moi, je suis un nouvel homme. Je suis un nouvel esprit. Dis-le avec zèle, je suis une nouvelle création. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est terrible de voir comment les croyants, les chrétiens, pas chrétiens, j'aime pas ce mot-là, les citoyens du royaume ne savent pas qui ils sont. Crise identitaire dans le royaume. Crise identitaire parce qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas qui on est. Tu es une nouvelle création si tu es né de Dieu. Si tu entres dans le royaume de Dieu, on t'appelle désormais pas chrétien, on t'appelle citoyen du royaume des cieux. Quand tu nais au Congo, on t'appelle citoyen congolais. Si tu nais en France, on t'appelle citoyen français. Si tu nais dans le royaume, on t'appelle citoyen du royaume de Dieu. C'est ce que tu es, dis-moi amen. Et les citoyens du royaume, ce sont des nouvelles créations. Ce sont des êtres spirituels qui habitent dans des corps humains. Des dieux sous une forme humaine. C'est ce que tu es. Dis-moi amen. Amen. J'ai dit, tu es un dieu. Moi, amen. Voilà, si dehors on n'est pas content, on s'en moque. Tu es un dieu.
Et je dis, je le redis encore, l'esprit que tu es, le nouvel esprit que tu es, la nouvelle création que tu es, elle est pure, elle est sainte. Autrement dit, le nouvel esprit que Dieu t'a donné là, toi là, à l'intérieur de toi là, la source, tu es pur, tu es saint, tu es sans péché, tu es sans tache, tu es irréprochable, tu aimes, tu es amour, tu es sage. Dis-moi amen. C'est ce que tu es. Et c'est parce que tu es un nouvel esprit que maintenant, la deuxième étape, la nouvelle création, le Saint-Esprit, Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, est venu habiter en toi. Où? Mais moi, je fais un mètre. Non, c'est dans la partie de toi qu'on appelle l'Esprit. Dieu ne peut pas venir habiter là où c'est sale. Dieu est venu habiter dans ton esprit recréé, qu'on appelle la nouvelle création, ou encore le nouvel esprit. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'a pas le nouvel esprit. Il n'est pas une nouvelle création. Dieu ne peut pas habiter en lui. Je sais, dans le New Age, dans beaucoup d'endroits, maintenant on dit, nous sommes des dieux. Faux! Nous ne sommes pas des dieux. Quel dieu? On est dieu parce que Dieu vient habiter en nous. C'est ça qui fait de nous des dieux. Dis-moi amen. Amen. L'ancien esprit ne peut pas être dieu. Souillé, sale, nature adamique. Maintenant, c'est la nature divine. Voilà pourquoi on dit que nous sommes participants de la nature divine. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans la partie de moi qu'on appelle mon esprit. Et le problème des humains, c'est que l'être humain, le croyant, le citoyen, n'arrive pas à comprendre. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Tu essaies d'expliquer tout de manière naturelle. Tu essaies d'expliquer des choses spirituelles de manière naturelle. Ça ne marche pas. On ne voit pas l'esprit. Mais moi, je suis noir. Je suis né au village. Je mesure 1m2. Papa, ce n'est pas une affaire de je mesure 1m2. Je suis noir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quiconque est né, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il n'a pas dit c'est en fonction de sa taille, son pays. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. As-tu cru dans ton cœur que Jésus est le Christ? Oui, j'ai cru. Tu es né de nouveau, alors tu es un Dieu. Ce qui est d'un chien est un chien. Ce qui est d'un éléphant est un éléphant. Ce qui est d'un léopard est un léopard. Ce qui est d'un humain est un humain. Ce qui est de Dieu est Dieu. Un point, un trait. Que tu sois petit, que tu aies 2 ans, 2 mois, 1 jour, 2 jours, 10 ans, 100 ans, si quelqu'un est en Christ, il est Dieu sur terre. Le problème, c'est que l'être humain n'arrive pas à accepter, à comprendre ces choses. C'est normal. Pendant tellement d'années, pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, tu as été habitué à vivre dans ta nature charnelle. Tu as été habitué à être conscient de tes faiblesses, de tes erreurs, de tes ignorances. On t'a tellement bombardé. Le monde dans lequel tu es, tu penses sur le vrai monde. Ce n'est pas en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois que tu vas soudainement retrouver la conscience de ta divinité. Voilà pourquoi je prends mon temps. Ça insiste, j'insiste, j'insiste et j'insisterai encore davantage. Quelqu'un me dit amen. Tu es conscient. Tout le monde ici sait quel jour et tu connais ta date de naissance. Celui qui me dit qu'il ne connaît pas sa date de naissance est en difficulté. Tout le monde ici au moins connaît sa date de naissance. Mais la date de naissance que tu connais, on ne te l'a pas dit 1 fois, pas 2 fois, pas 10 fois. Non, ce n'est pas vrai. On te l'a dit, on te l'a écrit, tu l'as lu, tu l'as répété. Toutes sortes de circonstances. Aujourd'hui, tu es conscient de ta date de naissance. De la même manière, je t'annonce, à force de te bombarder, de te bombarder, de te bombarder. Satan sait, Dieu sait, moi je sais, toi tu sais, que petit à petit, tu deviens de plus en plus conscient que Dieu habite en toi, que tu ne peux pas être n'importe qui. Tu n'es pas né pour être normal, tu n'es pas né pour être ordinaire. Il n'y a rien en toi d'ordinaire. Arrête de vouloir imiter les autres. Tu n'es pas comme les autres, dis-moi amen. Tu es quelqu'un de différent. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Tu es un Dieu sur cette terre, dis-moi amen. Le problème, c'est que chez beaucoup, Dieu est déjà en eux. Mais la nature divine ne se manifeste pas. Parce qu'ils sont restés à l'état de bébé, d'enfant, de gamin, bambino. C'est ça le problème. Ta nature divine va être manifestée parce qu'on enseigne la parole. Comment on fait pour grandir? On mange seulement. Puis le temps passe, on a le temps passe, on mange. Mange la parole, mon frère. Mange la parole, papa. Mange, maman, mange la parole. Dis-moi amen. Donc nous parlons de la conscience de Christ. Et nous avons dit beaucoup de choses, mais ce matin, je voudrais mettre l'emphase, l'accent sur un point important de la conscience de Christ. Ah, quelqu'un me dit amen. Parce que vous avez vu donc que Dieu nous a révélé ces dernières choses. Beaucoup. Et on va revenir, on n'a pas fini. Mais je vais juste faire une parenthèse parce que l'Esprit me pousse depuis quelque temps à faire cette parenthèse. Nous parlons de la conscience de Christ. Nous disons que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. La conscience de Christ, c'est comprendre d'abord qui tu es, ton identité. Qu'est-ce que tu es, qui tu es, où est-ce que tu habites, d'où est-ce que tu viens. Jésus a dit, je viens du ciel. Tout ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de révélations qui sont sorties ces dernières semaines. Dis-moi, amen. Tu as même compris que tu es supérieur à Satan.
que ton adresse, oh, mon adresse, c'est Mokondo, c'est Makelekele, j'habite au Congo, j'habite en France, La nouvelle création ne parle pas réellement comme ça. La nouvelle création, elle est spirituelle. Elle a comme une double adresse, mais en réalité, comme l'esprit domine la matière, donc son adresse spirituelle est plus importante que son adresse naturelle. Sa nouvelle création, elle n'habite pas sur la terre. Les pieds, le corps est sur le corps, le terre est sur la terre, mais mon esprit est en haut. Ah, quelqu'un me dit amen. Parce que tu vois, c'est pour ça que je dis que tu es un être étrange. Toi, si quelqu'un est né de nouveau, frère, tu es étrange. Arrête de vouloir être comme les autres. Tu ne pourras jamais être satisfait en étant comme, en voulant faire comme les gens du monde. Tu ne peux pas. Jésus a dit, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Tel il est, tel tu es. Tel il parle, tel tu parles. Tel il opère, tel tu opères, c'est sa volonté. Dis-moi amen. Mais aujourd'hui, tu vois, je voudrais mettre l'emphase aujourd'hui sur un point important. C'est qu'à la suite des révélations qu'il nous a données ces dernières semaines, il y a 2 semaines, nous avons commencé à voir qu'il nous a enseigné quelque chose de très important. Il nous a expliqué que lorsque quelqu'un, il nous a même dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu pour nous confirmer que notre adresse, notre passeport céleste, il est écrit, mon adresse, c'est dans le ciel. Je suis sur le trône en Christ, à la droite de Père, je suis en Christ. Il nous a dit beaucoup de choses extrêmement profondes. Mais à la suite de ces révélations, il nous dit maintenant, à cause de votre conscience que Dieu habite en vous, de manière obligatoire, votre vie doit changer. Il y a un nouveau mode de vie qui doit s'installer en vous. N'essayez pas de faire comme les autres. Vous êtes différent. Dis avec moi, je suis différent. Non. Dis avec moi, je suis différent. Est-ce qu'on peut continuer? Et donc, il nous dit, il y a un nouveau mode de vie. Dans Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5, il nous dit donc, puisque vous êtes en Christ, vous n'êtes plus des hommes ordinaires, mais Christ habite en vous, votre place est en Christ. Il révèle des mystères profonds, mais je m'intéresse juste à la fin, juste à la suite. À la suite, maintenant, il nous dit, donc on a vu ça il y a 2 semaines, il dit, faites donc mourir à cause de votre conscience de Christ, parce que vous prenez conscience que Dieu habite en vous, dans la partie de vous qu'on appelle l'esprit. Désormais, la vie de Dieu est en vous. Ha! Il dit, maintenant, faites mourir ce qui de votre vie appartient à la terre. Vous êtes compartimentés en 3 parties, vous les êtres humains. Esprit, âme et corps. C'est l'esprit qui est venu, qui abrite la présence de Dieu. Mais l'âme n'est pas changée. Le corps, encore moins. Tu n'as pas changé. Si tu as pris 1 kilo, ce n'est pas Dieu. C'est la nourriture. L'âme n'est pas changée, le corps n'est pas changé. L'âme doit être rééduquée, transformée, métamorphosée. Et le corps, quant à lui, doit être discipliné. Hier, tu ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, l'esprit qui est en toi là, il est pur, il est saint. Si tu le nourris, il prend le dessus. Si tu le nourris, il te donne la capacité d'être saint, d'être pur, d'être juste, d'être bon, d'être droit. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alors il nous dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'impudicité, l'impure dans la débauche, tu vois, la fornication, l'impureté, les passions incontrôlées, on a vu ça il y a 2 semaines, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie, etc. Et soif de posséder, ça veut dire l'attachement au bien. Hein? Quelqu'un me dit l'attachement au bien. Il dit ça aussi, il faut faire mourir ça là. Hein? Il faut faire mourir l'attachement au bien. Voilà, c'est pas mauvais d'avoir des biens, mais c'est mauvais de s'y attacher. Ah, dis-moi amen et je ferme la parenthèse. Amen. Ton voisin n'est pas content, mais c'est pas grave. Hein? Faites mourir ces choses-là. Il dit, elles appartiennent à la terre, pas au ciel. Vous êtes des êtres célestes, des êtres spirituels. Ces choses sont des choses naturelles et terrestres. Faites mourir ces choses en vous. Oh, dis-moi amen. L'impudicité, l'impureté, donc il part de la débauche, tu vois, les mauvais désirs, tout ce que tu aimes, les mauvaises choses là. Ça, c'était les choses d'avant. Il dit, fais-les mourir. La soif de contrôler, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent d'obéir à Dieu ou sur ceux qui refusent de lui obéir, tu vois. Donc, l'impudicité, l'immoralité, les passions incontrôlées, les mauvais désirs, l'attachement au bien. Oh, l'attachement au bien. Oh, mes maisons, mes voitures. Mes bijoux, mon argent, c'est dans l'attachement au bien. Hein? Fais attention, réponds-toi. Quelqu'un me dit amen. Ce sont les tels comportements qui attirent la colère de Dieu. Mais à présent, verset 8, débarrassez-vous de tout cela. Renoncez à ces choses, à la colère, à l'irritation. Colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers, tout cela, renoncez. Verset 9, ne mentez pas, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés, etc., etc. Quelqu'un me dit amen et je continue. Donc là, il nous parle
d'abord de ce qu'on appelle les péchés manifestes, les péchés visibles, les péchés apparents. Les péchés apparents, c'est-à-dire ce qui est visible à l'œil. Quand quelqu'un est dans la débauche, franchement, ça se voit, tu vois. Quand quelqu'un est adultère, si on l'attrape, on dit « Ah, yo, vraiment, comment toi, toi tu es encore dedans ?» Tu vois, tu attrapes quelqu'un en train de se masturber, en train de suivre un film porno, tu dis « Oh frère, comment peux-tu faire une chose pareille ?»« Oh, j'étais en train de zapper seulement. » »« Ok, d'accord. Okay. Est-ce que je peux continuer ?» Dis à ton voisin, sois tranquille, t'inquiète pas. Je ne parle pas de toi, alléluia. Et tu vois, juste après maintenant, l'apôtre Paul va nous parler. Il va nous parler, il nous dit maintenant au verset 12. « Ainsi donc, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous, c'est-à-dire ayez un cœur plein de miséricorde, d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, c'est-à-dire si vous trouvez à critiquer, un frère ou une sœur, je sais que c'est la tendance naturelle, mais pardonnez-vous mutuellement, pardonnez-vous les uns les autres. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Et verset 14, « Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Alors, je voudrais vous faire une remarque importante. Juste après, ça va parler des péchés apparents. Il dit ça là, il faut laisser ces choses-là. Dis avec moi, il faut laisser ça là. Quand on a Dieu en soi, on ne va pas encore faire ces bêtises-là. Donc, je ne suis plus dans ces histoires-là. Quelqu'un dit avec moi un bon amen. Et puis, amen. Il y a quelqu'un qui me dit, mais moi, je ne peux pas dire amen, je suis encore dedans. Non, laisse-nous ces histoires-là, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi encore là-bas? Là-bas, il n'y a rien, papa. Continue. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Aujourd'hui, je vous épargne. Aujourd'hui, j'ai une autre chose à vous dire. Hein? Puis-je avancer, s'il vous plaît? Donc, tu vois. Donc avant ça, il nous parle d'abord des péchés qui sont visibles, qui sont manifestes, qui sont apparents. Et juste après maintenant, il nous parle du style de vie de la nouvelle création. Et en réalité, tout ce qu'il vient de dire là, tout ce que je viens de lire à partir du verset 12, revêtez-vous de miséricorde, d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur. En réalité, il est en train de nous parler d'un seul style de vie qu'on appelle l'amour. Quelqu'un me dit l'amour. Quelqu'un me dit l'amour. Tu vois, il nous parle d'un style de vie de la nouvelle création. Il dit, celui qui est conscient de Christ, ce n'est pas d'abord la puissance qui doit manifester, ce n'est pas d'abord l'onction qui doit manifester, ce n'est pas d'abord les dons spirituels qui doivent manifester. Celui qui marche dans la conscience de Christ, la première chose qui manifeste, c'est l'amour. Je continue. Dans Jean chapitre 13, au verset 34, Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un nouveau commandement. Ce commandement, c'est mon dernier commandement et c'est le plus important. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et une autre fois, un jour, quelqu'un demande au Seigneur, Seigneur, dites-nous, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus dit, le plus grand de tous les commandements, il y en a en vérité deux. Il dit, il y en a deux. Quelqu'un me dit deux. Il dit, premièrement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras Dieu parce que c'est ton père, tu es un enfant. Un enfant doit aimer son père. Fille ou garçon, tu dois aimer tes parents. Dis-moi amen. Les enfants, nous aspirons, lorsque nous avons des bons parents, nous aspirons à faire plaisir aux parents. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout pour être les meilleurs à l'école, nous faisons tout pour être des bons travailleurs. Nous aspirons à faire plaisir aux parents. Ça, c'est quand on a de bons parents aussi. Quelqu'un me dit amen. Je ferme la parenthèse. Il ne faut pas me faire fusiller un parent ici ce matin. Et juste après ça, dans Marc chapitre 12, donc verset 31, il dit maintenant, voici le second commandement. Premier commandement, c'est tu aimeras Dieu. Second commandement, il dit maintenant, tu aimeras ton prochain comme. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Hein? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que les deux. Les deux se résument en quoi? Les deux se résument en 1, tu aimeras Dieu. 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un peu plus loin, dans Galates chapitre 5, au verset 14, l'apôtre Paul nous dit, sous l'inspiration de l'Esprit, il dit, toute la loi, toutes les ordonnances, les commandements, les décrets, les sentences, les instructions qui étaient remplies dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu avait révélé à Moïse, les 663 commandements, plus les milliers d'autres commandements, toute la loi, il dit, Dieu a beaucoup parlé aux humains, il a envoyé les prophètes ont prophétisé, ils ont écrit ce qu'ils ont reçu comme étant la parole de Dieu. Et puis Dieu dit, toute la loi, tout ce qui a été dit peut être résumé dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit,
Il n'y a pas de plus gros commandement que cela. Que toute la loi est résumée dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je peux avoir obéi à toutes les ordonnances, tous les commandements de Dieu. Marcher dans la sainteté. Je ne suis pas adultère. Je suis sanctifié. Voilà. Moi, je ne mens pas. Je marche avec Dieu. Frère, tu as menti. Ah! On ne ment pas. Tu as volé, on ne vole pas. Ça, c'est des péchés manifestes. Mais il y a un péché. Il y a un problème. La source. Un commandement. Il dit, quand tu l'as violé, tu as violé tous les commandements. L'amour. Tout est résumé dans l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si toi, tu as obéi à tous les commandements, mais tu as violé ce commandement principal, l'amour, tu as violé tous les commandements. Parce que toute la loi est résumée dans un seul passage, une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Jean 15, verset 12, Jésus dit, ceci est mon commandement. Ça, c'est la nuit qui précède. Ça, c'est la nuit d'avant la crucifixion. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Aimer, mon frère, ma soeur, ce n'est pas recevoir. Aimer, ce n'est pas recevoir. Aimer, c'est donner. Aimer, ce n'est pas recevoir. Aimer, c'est donner. L'amour, nous avons dit déjà à plusieurs reprises, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est un acte. L'amour est une décision. Quelqu'un me dit amen. Quel acte? L'acte de donner. Quelle décision? La décision de donner. La Bible dit que Dieu, dans Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé, tu vois. Et maintenant, comment tu sais qu'il a aimé? Il a donné. Il a donné quoi? Son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Zoé, la vie divine, la vie de Dieu sur terre. Ça, c'est Dieu le Père. Il a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé les humains. Dieu n'a pas aimé les rues. Dieu n'a pas aimé les maisons. Dieu a aimé les êtres humains. Quand on dit Dieu aime le Congo, pour l'amour du Congo, Dieu n'aime pas les bâtiments, les maisons du Congo. Dieu aime les Congolais, les habitants du Congo, les habitants du monde. C'est eux que Dieu aime. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Et le Fils a tellement aimé que qui se l'a fait? Il a donné quoi? Sa vie. Tel il est, tel tu es. Tel il fait, tel tu fais. Jésus a donné quoi? Sa vie. Est-ce que tu sais quoi donner sa vie? Il a donné tout. Il a été crucifié à ta place. Il a eu honte à ta place. Il a porté la honte à ta place. Il a porté le malheur, le rejet, la malédiction à ta place. Il a tout porté à ta place. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé, il a donné. La preuve de l'amour, c'est le don de soi. La preuve de l'amour, c'est le don de soi. Est-ce que je peux continuer? La preuve de l'amour, c'est le don de soi. Aimer, c'est donner. Dis avec moi, aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Donner qui? Mais toi, qu'est-ce que tu crois? C'est pas donner ta voiture, c'est donner toi. Tel il est, tel tu es. Christ a donné sa vie, tu dois donner ta vie. Quand tu es né de nouveau, tu viens à Christ, tu dois donner ta vie pour les autres. Est-ce qu'on peut continuer? T'inquiète pas, j'ai des pétards, des munitions pour toi aujourd'hui. Est-ce que je peux continuer? 1 Jean 3, verset 18. Il est écrit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité, ou avec vérité. Petit enfant, tu vois, je suis même surpris de ce qu'ils disent, mais n'aimons pas en parole. Mais comme Dieu sait que les humains sont parfois compliqués, que le cœur de l'homme est tortueux, il dit n'aimez pas en parole. Parce que tu sais, il y a des spécialistes de l'amour par les paroles et par la langue. Oh, ma douce. Oh, mon bien-aimé. Oh, mon trésor. Oh, mon ami. Mon frère. On est ensemble. Hey, on est ensemble, frère. Ça, c'est la parole. On est ensemble. Et parfois, tu veux même tellement mieux faire. On est ensemble. Ok. Ça, c'est l'amour. Non, non, ne dites pas encore. Aïe, j'ai pas fini encore. J'ai encore mes cartouches. Mais il te dit, n'aimons pas en parole. Les paroles sont pas mauvaises. Les paroles sont une manière d'exprimer l'amour. Mais le vrai amour, c'est pas les paroles. Ce sont les actes. Le vrai amour, c'est pas les paroles, c'est pas les langues. Je t'aime, moi non plus, hein? Non, papa, ça c'est des histoires. Voulez-vous prendre un tel pour époux? Voulez-vous la chérir? Oui! Le oui, là, c'est pas juste la parole. Tu viens de te lier par des actes. Si 2 semaines après, 2 ans plus tard, chérie, tu n'étais pas là,
C'était un voyage. J'étais tenté. Je ne pouvais plus. J'ai vu Anne-Sophie. Anne-Sophie m'a dit, viens à moi. Je suis allé. Nous avons couché. Mais je t'aime aussi. Aimer, ce n'est pas les paroles. Ce sont les actes. Oh, là, je vais rentrer dans les affaires des gens pour casser les affaires. Je retire de ça. Je sors de ça. Est-ce qu'on peut continuer? N'aimons pas en parole et avec la langue, non, mais aimons en acte, en action et en vérité. Ça veut dire quoi? Aimer en action et en vérité, ça veut dire aimer de manière pratique. Dis avec moi, aimer de manière pratique. Je dois vous prévenir, quand on décide d'obéir à l'amour de Dieu, il est pratique, il n'est pas théorique. Dieu a aimé, il a donné. Jésus a aimé, il a donné sa vie. Le Père a donné le Fils a donné sa vie. Et toi, tu dois faire exactement comme le Fils, donner ta vie aussi. Est-ce qu'on peut continuer? Et je vous préviens, donner l'amour de manière pratique, ça a un coût. Ça fait mal au début. Tu sais, tu as remarqué que quand quelqu'un n'a jamais fait de sport pendant des années, n'a pas fait de sport, et puis aujourd'hui, tu dis, gars, je veux faire du sport, je vais aller à la salle de muscu, je veux courir. Et puis, il a fait du sport pendant 2 heures. Pendant 10 ans, tu n'avais rien fait. 5 ans, tu n'avais rien fait. 2 ans, tu n'avais rien fait. Tu dis, je fais 2 heures de sport. Et là, tu as voix. Le lendemain matin, frère, quand tu as fait 2 heures de sport, le lendemain matin, tu te lèves là, aïe, 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 aïe. Ne dis pas c'est une attaque, non, 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 frère, c'est pas une attaque. C'est les contractions musculaires, c'est les courbatures qui sont dues au fait que tu as fait un exercice, tu n'es pas habitué à faire cet exercice, donc ça t'a fait mal au départ. Mais si tu maintiens le rythme, tu verras qu'au bout de 2 semaines, si tu maintiens le rythme, tu n'auras plus de courbatures le matin, oui ou non? Aimer te coûte beaucoup au départ. Aimer fait mal au départ. Pardonner. Comment pardonner? Il m'a fait du mal. Il m'a insulté bien face à moi. Je vais pardonner comment? Aimer, c'est pardonner. Dis-moi amen. Amen. Au début, pardonner, c'est difficile. Mais tu vois, après, ça devient un mode de vie. Tellement tu as été habitué à pardonner, maintenant, tu sais pardonner facilement. Toutes les offenses, tu pardonnes. Il n'y a pas de catégorie de péché. Ça, je pardonnerai. Mais ça, là, jamais je pardonnerai. On pardonne tout. Quelqu'un me dit amen. C'est une question d'exercice. C'est une question de mode de vie. Au début, c'est difficile. Parce qu'il y a des gens, franchement, ils t'ont fait tellement mal. Quand tu le vois, même, tu vois déjà le mal. Frère, c'est là où il te dit l'amour, pardon. L'amour, pardon. Tu veux aimer? Pratique l'amour. Pratiquer l'amour, ce n'est pas « je te pardonne ». Maintenant, si Dieu te dit « sème dans sa vie », non, je ne peux pas, j'ai pardonné. Aimer, ce n'est pas des paroles, aimer, ce sont des actes. En vérité, quelqu'un me dit « amen ». Alors, ce matin, nous allons voir ensemble, c'est quoi, quelques exemples, c'est quoi manifester l'amour de manière pratique ou encore de façon pratique? Dis avec moi « l'amour pratique ». L'amour pratique. Allons pour cela écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 9. Romains 12, à partir du verset 9. Il nous parle, dans Romains 12, Dieu nous enseigne sur la marche de l'amour sociétal, de l'amour en société, l'amour de manière pratique. Je répète, l'amour ne doit jamais être théorique, l'amour doit être pratique. À partir du verset 9, il est écrit, « Que l'amour soit sans y. » Hypocrisie. Point. Que l'amour. Je m'arrête là, frère. Il ne va pas plus loin. Je sors mes cartouches. Que l'amour soit sans hypocrisie. Oh, mais pasteur, quand on aime. Eh, Mote, mana lingio. Mais quand on aime, mais on ne peut pas être hypocrite. Ah, c'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est l'art de dire une chose et de penser le contraire de ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est l'art de dire, non, attendez, calmez-vous. L'art de dire quelque chose, mais en vérité, de ne pas penser ce que je viens de te dire. Oui, parce que ça a l'air bizarre. Non, laisse-moi continuer. Tu vois, je te dis, je t'aime, mais en réalité, je ne te démontre pas que je t'aime. Que l'amour, et si le Saint-Esprit dit que l'amour soit sans hypocrisie, et il écrit à des citoyens du royaume, donc à la nouvelle création, il sait donc que la nouvelle création peut marcher dans l'amour avec hypocrisie. Et donc, autrement dit, elle peut se tromper elle-même. Parce que l'amour, c'est les actes. Et c'est la vérité. L'amour est vrai. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Mais pasteur, je ne comprends pas ce que tu sais de dire parce que moi, j'aime, tu vois, moi, j'ai toujours aimé. Tu sais, c'est... Voilà pourquoi quand je dis, Seigneur, moi, je t'aime par ta grâce. Moi, j'ajoute toujours la phrase, par ta grâce. Hein? Parce que frère,
Prenons quelques exemples simples de ce qu'on appelle l'amour hypocrite. Parce qu'on le voit dans le pays, on le voit sur le continent, on le voit dans tous les pays, toutes les civilisations, on voit l'amour hypocrite. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas manifester cet amour hypocrite, mais de manifester l'amour qui est pratique, l'amour qui est sans hypocrisie. Mais comme le pays, c'est trop lâche, vraiment à l'image du pays, croyez-moi, on voit les gens qui parlent de l'amour, mais de manière totalement hypocrite. Mais je ne vais pas tirer sur eux. On va d'abord tirer. La charité bien ordonnée commence par... Donc on va d'abord régler nos conditions en famille. Hein? Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Ok, alors c'est quoi l'amour hypocrite dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu? N'oublions pas que dans la famille de Dieu, nous sommes supposés être un corps. Quelqu'un me dit un corps. Hein? Le bras, la tête, les pieds, les oreilles. Nous formons tous un seul et même corps. Rassurez-vous, le Saint-Esprit m'a parlé à moi. Il m'a corrigé un peu. Moi aussi, je viens pour vous corriger. Il m'a giflé. Moi aussi, je viens te gifler. Afin que toi aussi, tu ailles devant et que tu gifles les autres avec la parole de Dieu. Un exemple simple de l'amour qui est hypocrite. Un exemple simple. Tu vois, à la fin de ce culte ou à la fin des cultes en général, nous voyons, de manière pratique, hein, y en a qui viennent en voiture, il y en a qui viennent en taxi, il y en a qui viennent à pied. Et à la fin du culte, tu vois, il y en a qui sont en train de repartir à pied pour aller prendre leur bus ou aller prendre un taxi. Et pendant qu'il y en a qui repartent à pied sous le boulevard, certains quittent leur voiture. Ils sont à un, ils sont à deux, ils sont en train de la voiture. Il y a encore deux ou trois places de libre, tu vois. Et nous sommes en train de partir, nous quittons ici, nous allons de l'autre côté là-bas, chacun dans sa voiture. Il y a encore trois places de libre. Et tu vois ton frère, ta soeur en train de marcher pour aller prendre le bus ou prendre le taxi. Et tu es, attendez, et tu es incapable. Non, attendez, calmez-vous. N'êtes pas, soyez polis, hein, on est à l'église quand même. Hein. Soyez polis, soyez correct. Allez, soyez correct. Donc tu vois, le frère qui est en train de marcher, toi, tu as encore des places de libre. Hein, et tu laisses la vie pour dire, on est ensemble, hein, on est ensemble. Hein. Dieu te bénisse, hein, Dieu te bénisse. Il y a Zopé Namakolo, toi tu es en train de conduire. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est on est ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Toi tu es dans ta voiture, tu as la place, tu peux m'avancer un peu. Peut-être pas déposer les gens chez eux, mais au moins raccourcir le trajet. Ah, quelqu'un me dit amen. Mais on est ensemble, mon frère, on n'est pas ensemble. Ne cherche pas d'abord loin. Oh, j'aime Jésus. Non, parlons d'abord de ça, là. L'amour de manière. Ne peux-tu pas raccourcir le trajet de ton frère, de ta soeur, quand tu pars? Quand tu viens, tu es en train de conduire, vive la lieu. Il y a un frère qui, lui aussi, est en train de marcher. Voilà l'église. Mais toi, comme tu es pressé, mais lui, s'il est en retard. Toi, si tu es en retard, mais toi, ça te coûte que de t'arrêter. Pour dire, frère, monte. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Dis avec moi, pratiquons l'amour. Hein, là, on parle de la pratique de l'amour, pas de la théorie, mais de la pratique de l'amour. Un autre exemple très simple, entre les deux cultes, tu es venu tout à l'heure, entre les deux cultes, parfois, il y a souvent des files d'attente. Donc, nous sommes là en train d'attendre de rentrer dans le culte, de rentrer dans la salle de culte. Et bizarrement, je note que quand les gens ils sont en train d'attendre, nous sommes un même corps, une même famille, un même peuple que Dieu a sauvé par sa grâce. Nous sommes là en train d'attendre les uns les autres. Mais curieusement, tu vas te rendre compte qu'on ne se parle pas les uns les autres. Non. Tout le monde est là. Personne ne parle, hein. Les gens ne se parlent pas. Non, on ne se parle pas. Et bien sûr, quand, ma soeur, Angélique, on dit quoi? Ah, là, tu as vu quelqu'un que tu connais. Mais tu sais que parfois, à côté, il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, pour la troisième fois, la deuxième fois, il ne connaît personne, il ne connaît pas grand monde. Et toi, vous êtes en train de parler entre vos clubs. Pendant ce temps, les autres sont là, ils ne connaissent personne. Et tu es incapable. Et vous savez, on est incapable de dire, ah, bonjour, je m'appelle un tel. D'ailleurs, même, tellement nous ne sommes pas habitués à la culture de l'amour pratique. Si tu dis à quelqu'un, moi si je m'appelle un tel, tu regardes, tu es qui? Quelqu'un me dit, aïe! Tu vois, parce qu'on n'a pas été moulé dans l'amour de manière pratique. Donc, toi qui veux donner, tu veux donner, toi tu es qui? Est-ce qu'on peut continuer? Papa, tout le bas. Lisa Ponga, Onga, on continue. Comment conçois-tu qu'on est incapable de se parler pendant. Alors, c'est le moment idéal pour commencer à parler un peu, cultiver la communion fraternelle. Je ne dis pas qu'on sera ami avec tout le monde. Il ne s'agit pas d'être ami avec tout le monde. Non, mais il s'agit d'apprendre à s'intéresser aux autres. L'amour ne s'intéresse pas qu'à lui-même.
Quel est cet amour qui dit qu'il n'y a que moi, ma, mon, mais? C'est quoi cet amour? Ce n'est pas l'amour, ça c'est l'amour hypocrite. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Se parler entre les cultes, arriver à échanger, arriver à prendre ton prénom, c'est une marque d'amour. Arriver à s'intéresser à l'autre, c'est une marque d'amour. Est-ce qu'on peut continuer? Se saluer les uns les autres, soit pendant qu'on est en train d'attendre, soit à la fin du culte. À la fin du culte, même, c'est même devenu un rituel. Quand on dit « saluez-vous les uns les autres » et puis prenez quelques prénoms, c'est une phrase qui est libérée. Non? Vous savez quoi? Les gens vont souvent vers ceux qu'ils connaissent. Oh, on dit comme mon frère. N'oubliez jamais une chose. Dans une église, il y a toujours des gens qui arrivent. Des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 semaines, qui sont perdus, qui sont paumés, qui ne connaissent personne, qui ne cherchent qu'à s'intégrer, qui ne cherchent qu'à être acceptés. Tout le monde a le sentiment, a le besoin d'acceptation, d'être accepté dans une famille. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas rester dans une église parce que c'est comme si, même si Jésus vient, lui aussi, on va le chasser. Pourquoi? Parce que nous, on est déjà en entre nous. Toi, tu es qui? Tu es nouveau. C'est manque d'amour. L'amour, ça, c'est de l'amour hypocrite. Quelqu'un me dit amen. Quand tu ne prends pas le temps de saluer les gens que tu ne connais pas, c'est pas là, c'est pas une manque, c'est pas de l'amour. Ça, tu n'es pas en train de manifester l'amour de manière pratique. Prends le temps de saluer les gens que tu connais. Et surtout, les gens que tu ne connais pas. Je vous ai toujours dit que moi, en France, un jour à Paris, à l'époque, une personne, un couple très précieux qui était sur le point d'abandonner totalement les assemblées. Comment ce jour-là, je me suis juste passé, je les ai vus assis, je me suis assis avec eux, comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit à la fin, on était venus à cette église-là pour la dernière fois de notre vie. Et vous êtes assis, vous avez parlé avec nous, on s'est dit finalement dans cette église-là, il y a quand même des gens qui aiment de l'amour. Mais le pasteur ne peut pas tout faire. Mais le pasteur ne peut pas tout faire. C'est inconcevable, c'est impossible. Nous sommes un corps. Il y a des yeux, il y a une tête, il y a des membres, il y a des bras, il y a des pieds, il y a des jambes. Tous les corps, tous les membres du corps doivent faire leur job, leur part. Quelqu'un me dit amen. Saluer les personnes que tu connais. D'ailleurs, quand tu es venu là, quand tu t'es assis là, tu as salué les personnes autour de toi. Ah, tu attends qu'on te dise, nous vous prions de bien vouloir saluer. Saluer, saluer. Mais alors, c'est pas tout. J'ai un autre problème. Quand on salue les uns les autres là, il y a un problème. À ICC, on dit bonjour, excellence. C'est bien, mais c'est aussi un mal. Dans nos églises, on dit bonjour, mon frère, bonjour, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas mon prénom. Bonjour, excellence. Mais excellence qui? Comme ça fait longtemps que tu n'as pas mis... Non, mon frère, Dieu connaît chacun de nous par notre nom. Quand Dieu t'appelle, Saul, Saul, quand Dieu t'appelle, il t'appelle toujours par ton nom. Dieu te connaît. C'est-à-dire, papa connaît chacun d'entre nous. Mais si on est une famille, ça nous coûte quoi donc d'un même père, famille d'un même père, ça nous coûte quoi de nous connaître les uns les autres, au moins les prénoms? Ça nous coûte quoi? Pour nous, ça nous coûte beaucoup. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas l'amour de manière pratique. On est dans l'amour théorique, mais l'amour théorique n'est pas l'amour. Excellence. Je m'appelle Excellence. Non, ce n'est pas Excellence, ce n'est pas ton prénom. Tu as un prénom. On est ensemble, Excellence. Ça ne veut rien dire, on est ensemble, Excellence. Donne-moi mon prénom. D'ailleurs, tu es assis là. Est-ce que tu connais le nom, le prénom? Bon, vous qui êtes devant, vous êtes éliminés. Mais à partir de la troisième rangée, est-ce que toi, tu es assis là, tu, avec tes yeux gros là, fixés sur moi là. Bon, ou petit si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu connais les prénoms des gens qui sont assis autour de toi? À ta gauche, à ta droite. Non. C'est pourquoi? Ça ne t'a même pas interpellé. Là, je parle à quelqu'un. Là. Donc, du coup, le mot excellence est devenu une formule, un slogan, mais ce n'est pas sincère. Nous devons apprendre à connaître les prénoms les uns des autres. Nous devons apprendre à connaître les prénoms les uns des autres. Pourquoi? C'est l'amour pratique. L'amour pratique s'intéresse aux autres. Comment tu t'appelles? Donc là, je vous donne 10 secondes. Attendez d'abord. Tu vas, non, exercice pratique, travaux dirigés pratiques. Tourne-toi à ta gauche et à ta droite derrière toi. Prends-moi 5 prénoms et demande. Tu as bien dit ça? Parce qu'attendez, attendez, attendez. Vous aussi, il faut aider les autres. Parce que des fois aussi, quand on dit exercice, il y a des gens, quand tu leur dis, comment tu t'appelles? Ah bonjour, je m'appelle un tel. Pourquoi tu me dis ça? Mais parce que c'est l'amour. Lui, il n'a pas été préparé à, lui ici, il n'a pas été préparé à recevoir l'amour. Donc maintenant, je vous chauffe un peu. Il est important, quand tu prends le prénom, sache une chose, quand je prends ton prénom, je vais l'oublier.
La seule manière de retenir le prénom, c'est quand on a vu quelqu'un une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois. Quand on a demandé le prénom plusieurs fois, on finit par retenir le prénom. Dis-moi amen. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église. Quand on prend le prénom de quelqu'un au début, on ne le retient pas. Il faut être honnête. Et toi aussi, des fois, tu es dur avec les autres. Quoi, pasteur? Tu as déjà oublié mon prénom. Mais maman, moi, j'ai beaucoup de prénoms à retenir. Je ne peux pas tout connaître. Moi, c'est parce que c'est écrit pasteur Yves Yoyebi, tu vois. Mais sinon, tu ne me connaîtrais même pas du tout. Ah, quelqu'un me dit, ah, ici. Donc, vous aussi, soyez miséricordieux. L'amour, c'est donné. Hein? Soyez miséricordieux. Donc, prenons 5 secondes. Prends-moi les prénoms des gens, des 4-5 personnes qui sont autour de toi. Et tu lui dis, je vais oublier, hein, mais il faudrait que tu me le rappelles. Allez, tournez-vous dans les salles annexes. S'il vous plaît, faites la même chose. Je vous regarde. Dieu vous regarde. Je m'appelle Intel. Je m'appelle Yves. Je m'appelle Jean-Jacques. Je m'appelle Richard. Ou Excellence Richard. Je m'appelle. Hé, hey, arrête. Hé, hey, s'il y a quelqu'un qui regarde devant, gifle-le. Dis-donc-moi ton prénom. Voilà. Je m'appelle Intel. Je m'appelle Intel. Moi, je suis la sœur Intel. Excellence Intel. Dieu connaît chacun d'entre nous par son nom. Hé, hey, vous qui êtes au fond là-bas, qui vous a dit de rester assis? Top, 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 top. Fin de l'exercice. Bon, voilà, on est à l'église, hein? Bienvenue à ICC. Voilà ce que nous allons faire. Pour manifester l'amour de manière pratique. Là, tu vois, tu as eu quelques prénoms. Mais dans une heure, tu auras oublié. Comme tu auras oublié, et qu'on oublie tous, dites-moi amen. Il y en a qui ont une mémoire qui retient tout, c'est vrai. Mais la plupart du temps, on oublie tous. Donc, on va redemander, on va reposer la question jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce qu'on te dise bonjour par ton nom. Par ton prénom plutôt. Le nom est compliqué. Il m'appelle Gangalingo Logo. Non, ça c'est compliqué. Là, on parle souvent de prénom. Dis avec moi l'amour pratique. Ne pas connaître les prénoms des gens, ne pas même faire d'efforts, c'est un signe de manque d'amour. Tu veux aller aimer Dieu, tu n'arrives même pas à connaître. Tu connais comment Dieu s'appelle, mais tu ne connais pas comment ton frère s'appelle. Quelqu'un me dit aïe. Ce qu'on va faire, tout à l'heure j'ai dit au premier culte, pour nous faciliter la tâche, quand on finira le culte, quand tu t'approches vers quelqu'un, quand tu dis bonjour, et lui il doit te sauver, il doit t'aider. Ne dis pas comment je m'appelle. Non mon frère, là tu es en train de nous mettre en difficulté. Bonjour. Christ, Yves. Alléluia, on est ensemble mon frère. Dis-moi amen. C'est l'amour pratique. Si tu sers la main à quelqu'un, tu donnes ton nom, il donne son prénom aussi. Tu donnes ton prénom, il donne son prénom. Ne dis pas comment je m'appelle. Est-ce que tu te rappelles encore? Là, tu es en train de décourager de bonne volonté. Là, tu casses le message du pasteur. Tu auras fait à Dieu. Quel est mon point? Mon point, c'est le suivant. Je vais vous dire une chose. La raison pour laquelle nous sommes là, dans les files d'attente, nous ne parlons pas les uns les autres. La raison pour laquelle nous ne prenons même pas le temps de nous intéresser à l'autre, c'est parce que nous ne manifestons pas l'amour. Et en réalité, derrière ce manque d'intérêt, là, ce manque d'amour, là, il y a de l'orgueil. Les amis, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil, ou encore de l'amour propre, ou encore de l'ego. Quand tu étais petit, tu rentrais à la maternelle, tu rentrais en classe de CP. Je suis désolé, quand on est en classe de CP, quand on est à la maternelle, on rentre dans une classe, tous les enfants apprennent, ils font du bruit, ils sont bruyants. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Anne-Sophie. Et toi? Moi, je m'appelle Audrey. Oh, bonjour, Audrey. Et toi, je m'appelle Philippe. Ils parlent entre eux. Ils n'ont pas d'ego. Mais les mêmes enfants, là, quand ils commencent à grandir, la même personne qui, à l'époque, quand on était au CP, demandait les prénoms, mais non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de l'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour s'intéresse aux autres. Famille ICC, commençons à nous intéresser un peu aux autres. Il y a beaucoup de travail. On a un gros travail à faire, mais commençons par le commencement. Commençons même par ces petites choses-là. Ce sont les petits détails, mais qui font beaucoup de différence. Quelqu'un me dit amen. Si nous sommes 2000, si nous sommes 3000, quand nous serons 5000, il faut que tu aies au moins comme objectif de retenir au moins 2/3 des prénoms. Et oui, c'est possible. Mais si à chaque fois je pose la question, tu me le dis à chaque fois, je finis par le retenir. N'aie pas honte de poser la question à plusieurs reprises.
Si tu as honte, c'est de l'orgueil. Non, tu aimes, tu es orgueilleux. Oh. Si tu as honte de demander le prénom ou de donner ton prénom, tu es orgueilleux. Hein, c'est ça. Quelqu'un, dis-moi amen. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour s'appelle l'humilité. L'humilité est une marque d'amour. Les gens qui sont humbles, ils manifestent simplement l'amour. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi, depuis que tu as ICC, depuis une semaine, 10 mois, 1 an, 2 ans, tu connais combien de nouvelles personnes? Est-ce que toi, tu ne connais que les anciens? Mais il n'y a pas que les anciens. Dans une famille qui s'agrandit, il y a des nouveaux. La capacité d'intégration des nouveaux dépend de l'amour qui reçoit les anciens. Amen. Tu connais combien de personnes nouvelles? Toi qui es arrivé depuis 6 mois, tu connais combien de personnes nouvelles? Parce que ici, la vérité, c'est que toutes les semaines, les gens viennent. Est-ce qu'ils restent? Ça dépend de qui? De Dieu? Faux, ça dépend de nous. Les amis, j'ai découvert une chose. J'étais aux États-Unis. Dans les grandes églises, les gens ne rentrent pas, les gens ne restent pas dans les grandes églises parce que la parole est bien. Personne ne va rester ici à cause de la parole. C'est faux. La parole est majoritaire. L'enseignement est bien. Mais généralement, les gens restent dans une église à cause de la communion, à cause des liens qui se créent, à cause des relations. Tout, si vous ne comprenez pas ça, vous allez dire, mais pourtant, il y a des gens qui viennent, ils ne restent pas. Oui, non. Les gens restent quand on leur manifeste l'amour. Tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin. Et ce n'est pas le père de la famille, le pasteur peut donner, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. S'il y a beaucoup d'enfants, les enfants doivent apprendre à manifester l'amour envers les autres enfants. Quelqu'un me dit amen. Je dois apprendre, tu dois apprendre, nous devons apprendre à accueillir ceux qui viennent pour la première fois. Et même là encore, on est mauvais. Quand on dit, on va accueillir ceux qui sont là pour la première fois, ils se lèvent, ils donnent leur vie au Seigneur. Regardez la manière dont nous manifestons l'amour. Nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites. On ne sait pas manifester l'amour envers les nouveaux arrivants. J'ai vu une église où dès que quelqu'un est nouvel arrivant, la manière dont il est immergé, il est pris d'assaut. Il dit, mais les gars, laissez-moi là-haut. Je préfère qu'ils disent, mais vous êtes remplis d'amour ici. Ceux qui me disent qu'il n'y a qu'une seule personne qui est venue prendre mon prénom, me dire bonjour. Et la semaine prochaine, elle m'a appelé. La semaine prochaine, elle m'a... On est tous attachés à une famille, à une église. Pas à cause de la nourriture seulement qu'on reçoit, la parole, non. On est attaché à cause des relations qu'on bâtit. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le nombre de personnes que tu connais aujourd'hui dans la maison du Seigneur, là je parle de la maison du Seigneur, doit augmenter. Le nombre d'âmes que tu connais doit augmenter. Pourquoi? Parce que la maison grandit. La maison grandit, les âmes viennent. Mais est-ce qu'elles vont rester? Elles vont rester, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas du Saint-Esprit, ça dépend de nous-mêmes, de l'amour que nous manifestons de manière pratique envers les autres. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu as vu que depuis quelque temps, il y a un frère, il y a une sœur qui ne vient pas à l'église. Il ne vient pas. Pour mille et une raisons. Tu ne sais même pas pourquoi il ne vient pas. Parfois, il ne vient pas parce qu'il a été attaqué. Satan, son but, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, le but de Satan numéro un, c'est de le ramener dans le monde. N'oublie jamais ça. Dès que quelqu'un donne sa vie à Christ, le but premier de Satan, c'est qu'il faut le ramener. Mais les gens ne savent pas. Donc, il va tout faire, mettre toute une série de stratégies, de tactiques pour les sortir, pour les... n'est pas le faire demeurer en Christ. Et notre but à nous, c'est de le faire demeurer en Christ. Amen. Comment? Dans la communion. Mais toi, tu vois que le frère ne vient pas depuis X mois, X semaines. Ça ne t'inquiète pas. Oui, mais lui, il fait l'église buissonnière. Hein, maintenant, il a changé apparemment, il a péché. Mais qu'est-ce que tu en sais? S'il a péché, le sang de Jésus a été versé pour lui. Amen. S'il a péché, le sang de Jésus peut le purifier. Va vers lui. Un coup de fil. Intéresse-toi à l'autre. Mais quelqu'un me dit amen. Il n'est pas là, ça ne t'intéresse pas. Tu ne l'as pas vu pendant 2 semaines, tu ne te soucies pas. Mais là, nous sommes en communauté. Voilà pourquoi il est indispensable dans une église qu'il y ait des cellules, des groupes de maisons où les gens apprennent à être ensemble. Parce que généralement, une église grandit par les cellules. Les cellules grandissent parce que les gens apprennent à être ensemble. Quelqu'un me dit amen. C'est la responsabilité de chaque personne de prendre soin de chacun, de chaque autre personne. Dis-moi amen. Amen. Mais nous ne savons pas le faire. Quelqu'un absent, tu es indifférent et tu commences à critiquer. Il n'est pas absent. Tu ne connais pas les challenges que peuvent traverser ton voisin, ta voisine. Et le problème, c'est qu'à l'église, tu vois, il y en a qui se viennent, c'est pas parce qu'il a mis un costard qui voit clair. Nous jugeons par les apparences. Lui n'a manqué de rien. Hein? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il n'est pas angoissé? Qui t'a dit qu'il n'est pas attristé? Qui t'a dit qu'il n'est pas meurtri? Qu'est-ce que tu en sais? Pour le savoir, t'intéresser aux autres. Il ne s'agit pas de dire, tu as un problème,
Le Saint-Esprit se sert facilement des gens qui ont un cœur qui veut manifester l'amour pratique. Et le Saint-Esprit va te rendre sensible à certaines choses auxquelles tu n'étais pas sensible hier quand tu dis seulement, Seigneur, fais-moi marcher dans l'amour de manière pratique. Quelqu'un me dit Amen. Et toi aussi, si tu es absent depuis un certain temps, est-ce que tu as prévenu? Oui, personne ne m'a appelé quand j'étais malade. Mais est-ce que tu as prévenu au moment où tu étais malade? D'un autre côté, ceux qui n'ont pas appelé ont eu tort. Mais est-ce que toi, tu as appelé pour dire, j'ai un souci, je ne peux pas être là, je traverse telle situation? Ou bien tu veux qu'on fasse des devinettes? Alors, tu es où? Il est malade. Ça, c'est le désordre, ça. D'un côté, c'est de l'orgueil, manque d'amour. L'autre côté, c'est de l'orgueil, manque d'amour. Quelqu'un me dit Amen. Un jour, j'ai appelé une sœur qui n'était pas venue à l'église. C'est seulement maintenant que tu m'appelles pasteur. Je dis, ok, d'accord, j'ai raccroché. Mais tu appelles et t'engueules. Tu n'appelles pas aussi et t'engueules. Quelqu'un me dit, aïe. Comment peux-tu concevoir l'amour de manière pratique alors que tu es dans une assemblée, donc on est dans le même corps, et dans la même assemblée, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce qu'il t'a fait du mal, il t'a fait du tort. Hé, les amis, tout le monde blesse, tout le monde. Tout le monde, involontairement ou volontairement, je dis bien involontairement ou volontairement, fait du mal à tout le monde. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Quand il nous a dit, supportez-vous les uns les autres, ça veut dire, soyez patients les uns envers les autres. Dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté. Ça a été mal traduit dans le français. Parce que le français, quand on écrit, il faut un sujet, verbe et complément. Mais dans le grec, ce n'est pas ça. Dans le grec, c'est l'amour s'appelle patience. L'amour s'appelle bonté abondante, plein de bonté. L'amour s'appelle patience. Donc la patience, c'est une manifestation de l'amour. Les amis, soyons patients parce que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme moi. On est différents, les amis, on est différents. Il y a des gens à qui tu dis, bonjour. Bonjour. Frère, moi je suis un peu extraverti, jovial. Lui, il est fermé. Mais il ne fait pas exprès. C'est sa nature. Donc quand tu vas vers les gens, il faut savoir aussi que les gens, parfois, ils ne sont pas bizarres. Ils sont juste différents. Hein? Tu vois, là? Il est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Il est différent. Il est différent. On n'est pas pareil. Il y en a qui, quand on loue, puis il y en a qui, quand on loue, on est différent. Il y en a qu'on adore. L'autre, c'est lever les mains. L'autre, c'est à peine, on dirait pistolero. Bon, on est différent. Et Dieu dit, il faut savoir aimer les autres. Soyez patient, parce que tout le monde n'est pas comme toi. Dis-moi Amen. Amen. Tout le monde n'est pas comme toi, frère. Il y en a qui sont différents. Il va falloir que tu intègres. Donc, voilà pourquoi quand on aime, on donne. Et quand on donne, on ne s'attend pas à recevoir. On donne seulement. J'ai dit bonjour, mais il ne m'a pas souri. Plus jamais je dirai bonjour. Non, donne encore. Dis-moi Amen. Amen. Tu n'as pas souri, je donnerai encore. Parce que si tu donnes et tu attends que les gens te redonnent, ah, tu vas être frustré. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Il n'a pas attendu que les humains disent merci. C'est moi aujourd'hui que toi et moi, maintenant, on apprend à dire merci à Dieu et encore on est ingrat. Quelqu'un me dit Amen. L'amour est patient. La dernière fois, le pasteur Cambry expliquait qu'il y avait un homme qui connaissait, qui était patron d'une entreprise. Il était pointilleux, discipliné. Il aimait l'ordre, l'excellence. Et puis il avait une assistante qui était excellente. Mais ce monsieur-là priait beaucoup pour l'amour parce qu'il avait entendu le message de l'amour. Donc il priait beaucoup, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi d'aimer, donne-moi la patience parce qu'il était assez impatient. Donne-moi d'être patient, donne-moi d'être patient. Et Dieu a exaucé sa prière. Un jour, son assistante tombe malade. Et puis il avait une assistante secondaire, la deuxième assistante. Et il avait un texte extrêmement important à saisir rapidement. Et le frère. Il donne à l'assistante. L'assistante, elle avait une particularité, c'est que, un, elle bégayait, deux, elle tapait, elle s'est comme un escargot. Là où l'autre était, oui chef, tout de suite, chef, j'écris tout de suite. Celle-là, M, vous dites maman, A, M, A, N, espace, mais vous n'avez pas terminé, madame. Chef, je. Mais comment? Chef, je. Mais il priait pour la patience.
Et Dieu lui dit, mais je t'ai exaucé. Je t'envoie quelqu'un. Hé, hey, frère, mon frère, quand tu pries pour être patient, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te travailler corps à corps. Il va travailler ta patience. Il va être d'une lenteur légendaire. Viens, on y va. Ouais. J'arrive. Mais moi. Si tu es marié, tu es trop rapide. Là. Il va te donner une femme qui est très lente. Elle aussi, tu vas la former pour apprendre à être plus rapide. Le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur. Dans la vie, nous nous aiguisons les uns les autres. Parce que nous sommes tous des chantiers en construction. Si tu es trop mou et que tu dis, Seigneur, rends-moi un peu plus ferme, rends-moi un peu plus solide, un peu plus discipliné, il va t'envoyer chez moi. Et chez moi, je vais tellement te cogner, te broyer. Frère, tu dis, mais il est méchant. Il n'est pas méchant. C'est entraînement pour toi. Mais moi aussi, Dieu me brise. Parce qu'il me donne parfois des choses. Je dis, mais encore. Maintenant, moi, je dis, je suis patient. Quelqu'un me dit amen. L'amour est patient. Le frère, Dieu l'a exaucé, mais il n'a pas reconnu l'exaucement. Toi aussi, il y a des choses. Il y a des gens que Dieu met dans ta vie pour t'aider à développer tel ou tel trait de caractère dans ta vie. Écoute-moi bien. Mais il faut savoir reconnaître la bénédiction que Dieu t'envoie. Parfois, Dieu t'envoie des gens qu'on appelle bénédiction, toi, tu l'appelles malédiction. Toi, tu as un problème pour moi. Non, c'est une solution pour toi. Il est en train de te dire à devenir meilleur. Oh, quelqu'un me dit amen. Là, pendant que je parle, il y en a qui me regardent, il y en a qui me regardent comme ça. Là. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? T'as même quand tout le monde rigole. Il y en a qui rigolent pas. Il est bizarre, ce pasteur. Non, c'est pas bizarre. Toi, tu n'es pas bizarre. Toi, on est juste différent. Il y en a qui n'aiment pas ce que je fais. On est différent. Il y en a qui, quand ils prêchent, pour que le message passe. La dernière fois, on avait un pasteur à Paris. Quand il passait, quand il part. La sainteté, le péché, c'est mal. C'est mal. Frère, hey. Ouh là là. Ouh là, ouh là. Mais il est en dirait. Si tu arrives à même voir une dent qui sourit, c'est un miracle. Du début jusqu'à la fin, dur. Alléluia. Le péché, dur. Frère, hey. Dis-lui, mais ça, avec ça même, le péché va dire, je ne peux pas changer. Bon, alors que nous, c'est un autre style. Moi, j'essaie de mettre un peu d'humour, c'est ma personnalité, et te faire mal. Tu vois, non? Ça rentre, mais de la douleur. Mais tu changes, alléluia. On est différents. Quelqu'un me dit amen. Dites-moi l'amour de manière pratique. Que l'amour soit sans hypocrisie. Commençons dans les petites choses de tous les jours. Commençons à nous intéresser un peu aux autres. Commençons à manifester. Commençons à prendre les prénoms. Occupons-nous de ceux qui ne sont pas là. Occupons-nous de ceux qui sont là. Ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Faisons, prenons un peu de temps. Appelons-les. Si toi, tu as les crédits, l'autre n'a pas les crédits. Donne les crédits à l'autre. Qu'il appelle l'autre. Quelqu'un me dit amen. Je ne parle d'abord que des petites choses. Je ne parle pas des grandes choses. Je parle d'abord des petites choses qui font que l'amour ne devienne pas un amour hypocrite. Et ça commence là. Comment veux-tu changer le monde si tu n'arrives pas d'abord à changer l'environnement dans lequel tu es? On ne pourra pas changer le Congo si tu n'arrives pas d'abord à changer notre petit environnement. Le Congo change. Vous connaissez la loi des cercles concentriques. Tu prends une pièce, tu la mets dans de l'eau, elle fait des cercles, elle fait des cercles. Le premier cercle, c'est le cercle où la pièce est tombée. C'est ton cercle, mon cercle, ta maison, ma maison, ton travail, ton église, mon église. C'est là que ça commence. Et quand ça commence là, ça va finir par se répandre. Si on arrive à changer notre environnement, on pourra changer le Congo. Si on arrive à changer d'abord une église, après deux églises, après trois, et puis après on va gagner le monde. On va répandre l'amour de Dieu dans le pays. Mais si nous, on n'a pas changé, comment veux-tu qu'on aille changer le monde? Comment veux-tu qu'on aille conquérir le monde? Si on n'a pas d'abord conquis nos propres cœurs et notre environnement immédiat. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. On va continuer. Romains 12, donc, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Il dit, il faut haïr une seule chose, le mal. Tout ce qui est mal, il faut haïr le mal.
Dis-moi, Seigneur, aide-moi à haïr le mal. Haïr le mal. Derrière le mal, parfois tu as des critiques. Il faut haïr les critiques. Il faut haïr les calomnies. Dis, Seigneur, fais-moi haïr le mal. Fais-moi haïr le mal. Fais-moi haïr les critiques. Fais-moi haïr la méchanceté. Fais-moi haïr les insultes. Fais-moi haïr les calomnies. Je sais que des fois, moi aussi, j'aime critiquer, mais fais-moi haïr les critiques. Que ma bouche se ferme. Et des fois, tu as de bonnes raisons, dans un bon contexte, de bons arguments pour critiquer telle ou telle personne. Je refuse. Fais-moi haïr le mal. Je refuse. L'amour pratique, il déteste le mal. Attachez-vous fortement au bien. Pas attachez-vous au bien, mais il dit attachez-vous fortement au bien. Tu as la différence entre le mal et le bien. Le bien, c'est la bénédiction. Le bien, c'est la faveur. Le bien, c'est l'humilité. Le bien, c'est la bonté. Libère la faveur, libère la bonté, libère l'humilité. Et attache-toi fortement à faire du bien aux autres. Quelqu'un me dit amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Ça veut dire quoi? Ayez de l'affection. Estimez les autres. Estimez les autres, estimez-vous mutuellement. Développe de l'estime pour les autres. On n'a pas besoin de connaître tout le monde. On n'a pas besoin de connaître les gens parfaitement pour développer de l'estime à leur égard. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. La version Parole Vivante dit, comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frère d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Placez les autres au-dessus de vous et honorez-les. Soyez les premiers à témoigner de l'égard, de la considération, du respect. C'est-à-dire, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, honorez les autres. Usez des provenances réciproques. Ça veut dire, respectez tout le monde. Ne faites pas de distinction entre lui, c'est un VIP, lui, il n'est pas VIP. Ça, c'est la bêtise. Dieu n'est pas dans vos bêtises, là. Dieu n'a pas de VIP, Dieu n'a que des enfants. Et tous les enfants de Dieu sont égaux. Tous les enfants de Dieu sont égaux. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Si tu as fait grâce, maintenant tu dis qu'à cause de cette grâce, tu es supérieur aux autres, il va te casser la grâce, tu vas perdre la grâce. Quelqu'un me dit amen. L'amour pratique, c'est d'honorer tout le monde. C'est de respecter tout le monde. Respecter tout le monde. Pas parce que tu es pasteur, tu es assistant pasteur, tu es responsable, on s'en moque. On ne regarde pas ces choses-là. Quand tu vois quelqu'un, estime-le. Aie de l'estime. C'est parce que j'ai de l'estime que je te parle. C'est parce que j'ai de l'estime que je m'approche de toi. Dis-moi amen. C'est parce que j'ai de l'estime que je t'honore. Mais je connais, fais attention à ne pas arriver dans l'église et puis à prendre le temps que de saluer les riches. Parce que toi, tu es riche. Où tu vois clair, où tu as les moyens, et de mépriser le pauvre, parce qu'il a fait attention. Ça, ce n'est pas l'amour pratique. Ça, c'est même démoniaque. C'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Quelqu'un me dit amen. Et du zèle, et non de la paresse. Soyez zélés. Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas nonchalants. Soyez zélés. Le zèle dans la maison de Dieu, le zèle envers les frères, écoutez-moi, quand tu as du zèle pour les frères, pour les sœurs, c'est une preuve d'amour, l'amour pratique. Quand tu sers le Seigneur, c'est une preuve de l'amour pratique. Quelqu'un me dit amen. Je dis que quand tu sers le Seigneur, quand tu es diligent dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, là je parle d'abord de nous ici. Quand tu es au service des autres, quand tu sers le Seigneur, c'est une démonstration de l'amour pratique. Mais quand tu ne viens que pour recevoir tous les dimanches et rien d'autre, ce n'est pas l'amour pratique. C'est l'amour hypocrite. Parce que l'amour consiste à donner. Toi, tu donnes quoi? Même tes dîmes, ce ne sont pas clairs. Et même si tu donnes une dîme et une offrande, tu peux donner la dîme et l'offrande, mais ne jamais être au service des autres. Ce n'est pas l'amour. Faites attention, hein, ne vous trompez pas. Hein. J'ai donné ma grosse enveloppe. C'est quoi une grosse enveloppe pour toi? C'est ce que Dieu a appelé ça gros, c'est toi qui as appelé ça gros. Quelqu'un me dit amen. Ouais. Non, je connais des gens qui vont à l'église pour mettre seulement des enveloppes. C'est comme s'ils soulagent sa conscience. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'hypocrisie. Sers les autres. L'amour donne aux autres. Donne ton temps, donne tes talents, donne ta disponibilité, donne ce que tu as. Il y a quelque chose que tu dois donner, c'est ta vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Là, il est en train de parler de l'amour pratique. Quand tu es patient dans les souffrances, dans les tribulations, c'est une manière de manifester l'amour de manière pratique. Il dit même quand tu persévères dans la prière, c'est une expression de l'amour. Tu n'abandonnes pas comme les autres. Il y en a qui, ça n'a pas marché une fois, deux fois, il a abandonné.
Mais toi, tu es encore en train de persévérer, de t'attacher. C'est une preuve de ceux qui aiment. Parce que vous savez, quand on aime, on s'attache. Quand on aime, on persévère. Si tu aimes vraiment tes enfants, quand ils font des bêtises, tu as deux options. Soit tu dis, je n'ai plus de vous, vous n'êtes plus mes enfants, allez-vous-en, quittez ma maison. Mais tu n'es pas un père ou une mère, tu es un criminel. Quand on aime les enfants, même quand ils font des bêtises, on patiente. On attend le meilleur d'eux. On est patient et on persévère. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. La version parole vivante dit, considérez-vous comme solidaire des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôte avec empressement et bonne grâce. Ça, on en parlera un peu plus tard. Comment faire pour exercer la libéralité? Comment faire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Le Seigneur est en train de me parler de réorganiser. Là, je vous donne ce message parce que Dieu est en train de me parler de réorganiser un peu l'Église. Nous parlons beaucoup, mais nous ne démontrons pas assez. Biloba, loba, c'est bien, mais ça ne change pas. Nous devons apprendre à prendre soin de ceux qui sont là, de ceux qui viennent, de ceux qui sont là. D'ici la fin du mois, je vous dirai ce que le Seigneur me dit de faire. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais nous ne voulons pas aimer en parole, non. Nous ne voulons pas aimer seulement en théorie, non. Nous voulons aimer de manière pratique. Et donc, nous sommes dans un contexte où, si on commence à démontrer l'amour de manière pratique, les gens vont dire, les gens, hein, toujours, eux là, ils veulent faire quoi? Eux là, ils veulent montrer quoi? Eux là, ils veulent... Est-ce que c'est parce que les gens vont parler que tu ne manifesteras pas l'amour? Laisse les gens parler. Manifestons l'amour de manière pratique. Quelqu'un me dit amen. Pourvoyez aux besoins des saints. Y a-t-il des gens parmi nous qui sont dans le besoin? Ils sont nombreux. Comment faire pour pouvoir leurs besoins? Est-ce notre responsabilité? Oui. Est-ce notre mission? Oui. Comment faire? Nous le faisons déjà aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit il y a à peu près 3 semaines. Vous le faites et vous ne le faites pas bien. Vous pouvez faire encore mieux que cela. Nous devons aller de progrès en progrès. Nous allons faire mieux que cela. Je refuse d'être un homme de discours. Je vais être un homme de faits, des actes. On doit montrer les actes. L'amour, ce sont des actes, ce n'est pas des discours. Quelqu'un me dit amen. Exercez l'hospitalité. Accueillez-vous les uns les autres. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ça, nous le savons déjà. Ne prononçons pas de mauvaises paroles contre ceux qui prononcent des mauvaises paroles contre nous. S'il y a des gens qui te rendent la vie impossible, ne déclare pas des malédictions contre eux, mais bénis-les plutôt. C'est ça l'amour pratique. Nulle part il a été dit, maudissez vos ennemis. C'est écrit nulle part dans la parole. Pourquoi nous passons notre temps à maudire les gens, à maudire ceux qui nous persécutent? Il n'a rien à voir. C'est toi qui dois voir. Manifeste l'amour. Oh, quelqu'un me dit amen. Ça, c'est dur à faire. Mais c'est comme les courbatures. C'est dur au début, mais avec le temps, on s'exerce. Alléluia, c'est ça. Amen. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez d'abord vous avec ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un a une bonne nouvelle, on se réjouit. Si quelqu'un a une mauvaise nouvelle, on partage la mauvaise nouvelle. L'amour pratique va se réjouir avec ceux qui se réjouissent et va pleurer avec ceux qui pleurent. Va accompagner ceux qui sont dans le deuil, dans la tristesse. L'amour pratique ne dit pas encore, tu as fait ça, tu mérites. Non, l'amour pratique accompagne. Même quand on fait des bêtises, tu sais, Dieu dit, je serai avec toi quand tu marcheras dans la vallée de l'homme de la mort. Parfois, tu marches dans la vallée de l'homme de la mort à cause de tes propres erreurs. Tu as commis des actes tellement terribles que maintenant tu souffres les conséquences. Dieu ne t'abandonne pas, même quand tu souffres des conséquences. Dieu est avec toi dans la détresse. Quelqu'un me dit amen. De la même manière, nous aussi, on sanctionne, mais on accompagne. Quand papa donne la fessée, il ne te jette pas dans la rue. Donne la fessée, il t'accompagne. Il t'aime. Amen. Je continue, je termine. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il n'est pas en train de dire ne rêvez pas grand, ne voyez pas grand. Non, mais il est en train de dire soyez équilibrés, soyez modérés. Vous savez, il y a des églises, je connais maintenant, où même parfois on le voit chez nous ici, on a tellement dit il faut rêver grand, il faut aller loin, il faut faire des grandes choses, c'est vrai. Mais il faut faire attention, le cœur de l'homme est compliqué. Hein. Des fois quand on dit si on domine, toi tu dis oui je domine, maintenant je domine, j'écrase tout le monde. Non. Fais attention. Dieu veut que tu ailles loin dans la vie, Dieu veut que tu rêves grand, que tu fasses de grandes choses, mais pas pour toi, pas pour que tu sois vu. Et le problème, c'est que parfois, tu crois que tu es en train de faire les choses pour Dieu, or en vérité, tu es en train de les faire pour toi-même. Non, je répète. Des fois, tu as l'impression que tu veux juste être élevé, faire de grandes choses pour Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Je vous ai déjà dit comment je voulais faire en 96 une entreprise pour la gloire de Dieu. J'étais plein d'orgueil.
plein de zèle et d'orgueil. Je voulais faire une entreprise pour le Seigneur. Oh, c'était pour moi-même. Mais je pensais que c'était pour Dieu. Est-ce que vous savez que parfois on peut se mentir à soi-même et ne pas être conscient qu'on se ment à soi-même? Vis encore. Tu penses que tu es en train de faire quelque chose? C'est Dieu qui connaît les motivations de tout ce qu'on fait. Tout ce que tu fais, Dieu connaît les motivations. Voilà pourquoi, quand Dieu ne t'exauce pas dans un certain domaine, Seigneur, donne-moi, donne-moi, il n'a pas donné. Dieu, il t'aime tellement. Il sait que s'il te donne là, ton cœur n'est pas prêt à recevoir. Tu vas gâter ce qu'il dit. Quelqu'un me dit amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la vie, vois grand. C'est bien, c'est normal. Dieu veut que tu vois grand. Mais fais attention. Dieu connaît tes motivations. Voilà pourquoi, personnellement, aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, je ne cherche rien si ce n'est faire la volonté de Dieu. Je ne cherche rien si ce n'est faire le plaisir du cœur de Dieu. Tu n'as pas le droit pour dire, Seigneur, donne-moi l'élévation, donne-moi l'élévation, élévation, 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 élévation. L'élévation, amen. Non, frère, tout ça là, c'est des bêtises. Si Dieu t'élève, c'est par sa grâce. Et Dieu veut élever tout le monde par sa grâce. Mais tout le monde n'est pas prêt à être élevé par Dieu. Parce que le cœur de tout le monde n'a pas été travaillé encore. Il faut accepter quand tu passes par les saisons de galère. Accepte les saisons de souffrance que tu endures. Accepte comment te comportes-tu dans la souffrance pendant les temps où tout va mal. Comment tu te comportes dans la vie. Quelle est ton attitude quand les choses vont mal. Ça va déterminer quelle est ton attitude quand les choses iront bien. Quelqu'un me dit amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, un jour, Dieu m'a parlé par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui avait écrit, il y a quelqu'un qui avait fait, il a tiré contre l'église, raconté des bêtises contre l'église, contre moi, il a raconté des choses graves, des accusations. J'ai dit, mais Seigneur. Et puis, il y a un frère qui m'a dit, non, pasteur, là, on doit allumer le gars, là. J'ai dit, non, frère, faut l'allumer. J'ai dit, fais un truc contre lui. Fais-moi un truc contre ce type-là, parce que vraiment, il fait du mal à tout le monde, il fait du mal à l'église, au corps de Christ, tout ça là. Mais c'est pas pour moi, c'est parce qu'il fait du mal à l'église. Hein. Cogne sur lui. Et le frère a commencé à mettre en place la stratégie pour cogner sur le frère. Et le Seigneur me parle, il me parle par ce passage. J'ai dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Il dit, non, c'est pas moi, c'est pour l'église. Hein. Seigneur, c'est pas moi. Moi, je suis pour rien, c'est pour l'église. Dieu me dit, ne rends à personne. Quelqu'un t'a fait du mal. Ne donne jamais le mal en retour. Et croyez-moi, la tentation pour rendre le mal, surtout quand tu sais que tu peux le faire, hein, parce qu'il y a des moments où tu te sens impuissant pour faire le mal. Quelqu'un me dit amen. Mais quand tu as la capacité de redonner un coup terrible à celui qui t'a donné un coup, et que tu ne le fais pas, c'est une marque de l'amour pratique. Tu obéis à la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si ça dépend de toi, sois un vecteur, sois un agent, sois un artisan de la paix. Dans tous les domaines, sois un agent de la paix. Ne vous vengez point vous-même. Je sais, quand on te fait du mal, la tendance naturelle de la nature humaine, c'est de retourner le mal. Il dit, ne rends pas le mal. Ne te venge surtout pas. À chaque fois que tu te venges, Dieu ne peut plus te défendre. À chaque fois que tu te venges, Dieu ne peut plus te faire justice. Quelqu'un me dit amen. C'est comme la maman, une maman que les pasteurs ont, maman commerçante, je crois que les pasteurs ont attaqué. Et puis, les pasteurs l'ont fait asseoir, ils l'ont ramassé, ils l'ont insulté, enfin, ils l'ont blâmé. Et puis la maman, elle va dans la maison, elle dit, ok Seigneur, tes serviteurs m'ont blâmé, Seigneur, c'est vrai. Je m'humilie, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, vraiment, Seigneur. Je demande pardon. Seigneur, toi, si tu leur pardonnes, c'est vrai. Mais Seigneur, même si tu leur pardonnes, frappe-les quand même. Dis Seigneur, frappe-les. Parce que tu as dit, ne touchez pas, mais oin. Ils ont touché, je suis oin. Seigneur, frappe-les. Tu es juste, non, frappe-les. Ils m'ont sali, je suis oin de Dieu, mais frappe-les. Ah. Dieu a dit, mais ça, je ne peux pas exaucer la prière. Frère, s'il fallait que Dieu frappe tous les gens que tu frappes, Dieu allait te frapper toi aussi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Bref, ne vous vengez pas. Laissez agir la cause. La nature humaine aime se venger. Dieu ne veut pas que tu te venges. Il dit, laisse agir la colère. Dis avec moi, laisse agir la colère. Dis avec moi, je laisse agir la colère. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait du tort et tu as les moyens de te venger.
Mais tu décides, calmos, de laisser passer la colère. Tu dis, Seigneur, j'ai le pouvoir de me venger. Mais Seigneur, fais-moi justice. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. J'ai fait un constat aussi avec le temps. Je me suis rendu compte que parfois, quand tu as plus de moyens, quand tu connais beaucoup de monde, tu es plus en danger que ceux qui ne connaissent personne. Celui qui ne connaît personne, quand on lui a fait du tort, tout ce qu'il peut faire, c'est Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais-moi grâce. Mais toi, comme tu connais beaucoup de gens, tu as juste à prendre un coup de fil. Oui, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est dangereux, tu te mets en danger. Parce que souvent, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Souvent, il faut apprendre à dépendre de Dieu. Et apprendre à dépendre de Dieu, c'est un style de vie. Compter sur Dieu pour tout. Même quand tu as les capacités de te défendre, de rendre le mal, de te venger, ne le fais pas. Laisse Dieu te faire justice. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dis-le. Et non pas à toi la vengeance, mais à Dieu seul. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse jamais vaincre par le mal. La vérité, c'est que dans notre monde, la tentation du mal est très très forte. Mais surmonte toutes les fois que tu as envie de faire du mal, surmonte le mal par le bien. C'est cela, démontrer l'amour de manière pratique, du moins en partie seulement. Aimer en action et en vérité, c'est aimer de manière pratique, bien aimer. N'aimons pas dans les paroles. Il y en a marre des paroles, il y en a marre des beaux discours. Nous voulons exercer l'amour de manière pratique. Et c'est dur dans une génération où les gens sont tellement refroidis. Même ceux à qui on donne l'amour ne savent pas recevoir l'amour. Est-ce que tu m'entends? Ceux à qui tu donnes l'amour ne savent pas toujours le recevoir. Donne quand même. Donne quand même. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Prenons le temps juste pendant quelques instants. Prends le temps juste pendant quelques instants. Dis Seigneur, vraiment j'ai besoin de toi. Dis simplement Seigneur, aide-moi à manifester cet amour pratique. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Dieu a donné, il a aimé, il a donné. Jésus a aimé, il a donné sa vie. Le Père a aimé, il a donné son Fils. Le Fils a aimé, il a donné sa vie. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Tel il agit, tel nous agissons. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Prends le temps de prier un peu pour toi-même. Comment te situes-tu par rapport à cela? Il a dit que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Est-ce que tu vis, tu marches, tu manifestes un amour qui est hypocrite? En tout cas, beaucoup d'entre nous, nous nous reconnaissons dans cet amour hypocrite duquel nous voulons sortir. Nous devons sortir de la sphère de l'amour hypocrite. Nous ne voulons pas rester dedans, nous voulons obéir à Dieu. Nous voulons manifester l'amour de Dieu. L'amour s'appelle patience, l'amour s'appelle bonté. L'amour s'appelle refus d'être envieux. L'amour n'est pas envieux, l'amour s'appelle humilité. L'amour cherche l'intérêt des autres et non pas mon intérêt personnel. Nous voulons apprendre à manifester cet amour divin. L'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs. Il faut juste accepter de le libérer. Au début, ça fait mal, mais c'est une décision. La décision de donner, la décision d'aimer. Nous voulons aimer, nous voulons décider de donner, d'aimer. Nous te rendons grâce, notre Père. Prends le temps de prier juste. Tu ne sais pas prier comment. Tu sais, il y a des moments où tu ne sais pas comment il faut prier par l'intelligence. Alors prie par l'esprit. Prie par l'esprit. Prie en langue simplement parce que tu ne sais pas. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous entendons bien ta parole, nous entendons ta voix, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, Seigneur. Ta parole déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais oui, mais il est répandu dans notre esprit. Maintenant, il doit couler de notre esprit. Il doit couler de notre esprit. Il doit se répandre dans notre âme. L'amour de Dieu doit se répandre dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos volontés, dans nos sensations. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas simple, mais pourtant c'est possible. Alors nous décidons d'aimer, de manifester l'amour de Dieu. Nous te supplions. Nous te supplions, notre Papa. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Accorde-nous d'être une église, une famille spirituelle, Père, où l'amour domine. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne voulons pas les discours, nous voulons la pratique, Père. Accorde-nous la grâce, Père, de manifester l'amour de manière concrète. Accorde-nous la grâce de retenir au moins, Père, de retenir au moins les prénoms de nos frères, de nos sœurs, de manifester de l'intérêt, de l'attention. Pas de l'indifférence, comme nous le faisons tellement souvent. Mais c'est toi qui peux nous aider. Merci de nous aider. Nous ne demandons pas ton aide. Nous te disons merci parce que nous recevons ton aide. Nous recevons ton aide. Nous te rendons grâce, notre Papa. Nous te rendons grâce, notre Père. Nous te rendons grâce. Nous te remercions, Papa. Nous te remercions de ce que tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce par ta grâce.
Tu nous fais grâce. Merci. La grâce de Dieu est accessible, la grâce de Dieu est disponible. Mon frère, tu sais, il y a des temps où tu dois apprendre à prier à Dieu pour toi-même. Là, il s'agit d'une question de vie, il s'agit d'une question de vie personnelle. C'est une question collective. Avant d'être collective, c'est d'abord une question personnelle. Papa, nous te supplions. Là, toi, tu dois dire seulement, Seigneur, aide-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, donne-moi un cœur simple, comme les enfants. Un cœur simple, un cœur humble. Que les égos, l'orgueil, la vanité de mes pensées, ces choses tombent au nom de Jésus-Christ. Donne-nous des cœurs simples, des cœurs simples, des cœurs disposés, des cœurs disponibles, accessibles. Comment pouvons-nous nous tenir là tous ensemble et ne pas nous parler les uns les autres alors que nous sommes en train d'aller dans la maison, dans la famille de Dieu, nous sommes membres d'un même corps, membres les uns des autres. Quelle aberration, quelle hypocrisie. Accorde-nous la grâce de marcher dans la vérité de ton amour, Père. Accorde-nous la grâce de changer réellement. Et aujourd'hui, Père, dans le nom de Jésus, nous prenons l'engagement par ta grâce de changer par ta grâce. Nous te remercions, Père, de ce que tu fais en nous une œuvre merveilleuse, une œuvre nouvelle, une œuvre belle, excellente. Tu as dit, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde saura que nous sommes tes disciples. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la grâce, à la force, non. C'est à l'amour que le monde saura, reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Apprends-nous à manifester l'amour de manière pratique, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Car tu nous exauces, parce que nous prions selon ta volonté. Merci de déverser ton amour dans nos âmes, afin que nous manifestions cet amour de manière pratique. À toi qui fais ces choses, à toi qui es fidèle, nous l'assurons. À toi notre louange, notre gratitude, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Juste avant de... Les amis, vous savez, un message comme celui-là qui est un message très simple en réalité, les messages qui parlent de l'amour de Dieu sont des messages qui donnent la vie. J'ai dit les messages qui parlent de l'amour de Dieu, c'est des messages qui donnent la vie. On ne parlera jamais trop de l'amour de Dieu. Dans un pays, dans une nation, dans une église, dans une famille, dans une communauté, dans une région, dans une ville, on ne parlera jamais trop de l'amour de Dieu. Mais c'est bon de parler, maintenant c'est mieux de démontrer. Dis-moi amen. Nous voulons juste démontrer l'amour de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu es ici, quand tu dis bonjour à quelqu'un, donne-lui ton prénom. Et à haute voix, pas en murmurant, que l'on t'entende. Aide-nous à t'aider. Aide-nous à manifester l'amour pratique. Aidons-nous les uns les autres à manifester l'amour pratique. N'oublions pas, tous les points que nous avons vus ensemble, mettons-les en pratique. Et Dieu nous donnera d'autres inspirations. Mettons-les en pratique. Quelqu'un me dit amen. Avant de rendre le micro, vous savez, nous parlons de l'amour, nous parlons de la nouvelle création. C'est le mode de vie, l'amour est le mode de vie de la nouvelle création. De celui qui est vraiment conscient de Christ va manifester, va marcher, va vivre, va expérimenter, va démontrer l'amour de Dieu de manière pratique. Ne nous fions pas à la puissance que nous pouvons manifester. Fions-nous d'abord au cœur que nous pouvons manifester, le cœur d'amour. Y a-t-il quelqu'un ici? Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est à cause de l'amour de Dieu que Dieu a donné le Christ, Jésus de Nazareth. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? Tu n'es pas encore rentré dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas encore devenu une nouvelle création, un nouvel esprit, un nouvel homme. Or, c'est par là que ça commence. La Bible dit en vérité, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette salle, dans les salles annexes, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, qui n'est pas encore né de nouveau, s'il te plaît? Je sais que l'heure est assez avancée, mais lève ta main, nous voulons juste prier avec toi pour te faire entrer dans le royaume, pas dans la religion, dans le royaume. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut juste lever la main, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? Tu ne connais pas encore, tu dis, tu n'es pas encore sauvé. S'il te plaît, lève la main, nous voulons juste prier avec toi. Et les autres, nous allons acclamer le Seigneur pour, parce qu'il y a quelqu'un ici qui veut le faire et qui est encore un peu hésitant. Nous allons acclamer le Seigneur. Vous savez, le premier miracle commence lorsqu'il y a un cœur sur le Seigneur. Merci, ma soeur. Restez debout, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lever la main, s'il vous plaît? Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore qui veut donner sa vie à Christ? Donner sa vie à Jésus, c'est maintenant qu'on prend l'engagement, c'est maintenant. Voyons, famille, ceci, acclamons le Seigneur, voyons-nous. Et de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Une seule âme qui donne sa vie à Jésus, de la joie dans le ciel. Mon père, soyez béni, ma soeur, soyez béni. Je vais vous demander, une seconde, je vais vous demander de rester debout, nous allons prier avec vous. Je vais vous demander de répéter après moi cette sainte prière. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un mystère, il n'y a pas de rituel.
La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Être sauvé, naître de nouveau, devenir une nouvelle création, c'est simple comme bonjour. C'est juste faire une simple prière de tout son cœur. Pas avec la bouche, mais avec la bouche et avec le cœur. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de sang à aller verser, il n'y a pas de coq à aller tuer, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de rite. C'est juste une simple prière qui est faite. Et je vais vous demander de répéter après moi cette prière. Et pendant que vous répétez avec moi cette prière, toute l'assemblée va lever la voix aussi pour répéter avec vous, pour couvrir vos voix dans l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Alors répétez simplement après moi, vous fermez vos yeux simplement, vous répétez Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je crois et je confesse que tu es mort à la croix du calvaire pour mes péchés. Tu es mort à ma place. Je te reconnais, Jésus, comme mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Je te reconnais aussi comme mon Seigneur, c'est-à-dire le maître de ma vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à te servir. Je te reçois dans ma vie. Viens dans ma vie et sauve-moi. Toi, le sauveur du monde. Toi, le cadeau de Dieu. Toi, la grâce de Dieu. Je te reçois par une décision de ma volonté. Jésus de Nazareth, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te remercie de ce que tu me sauves maintenant. Et tu fais de moi maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, ton Esprit, Jésus, tu fais de moi une nouvelle création. Je suis né de nouveau. Maintenant, j'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens au corps de Christ. Je te remercie pour cela. Je te célèbre, Jésus de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, à toi l'honneur, à toi ma louange, à toi la gloire. Amen, amen et amen. Amen. Vous qui avez fait cette prière pour la première fois, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite après cette prière, ne partez pas tout de suite, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes 3, 1, 2 et 3, nous sommes heureux. Si une seule personne se repent, nous sommes honorés, nous sommes fiers. Quelqu'un dit avec moi, amen. Le plus beau des miracles, le premier de tous les miracles, c'est d'abord la nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui au moins, dans le registre d'état civil du ciel, on sait que vous êtes nés. Nous ne connaissons pas encore vos prénoms, nous allons les connaître dans quelques instants, mais Dieu vous connaît. Parce que vous êtes nés de Dieu maintenant à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Et à la fin du culte, nous allons vous envahir. Pas de bisous, mais de paroles d'encouragement. Les femmes, embrassez-les. Les hommes, soyez prudents. Claude, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de notre Dieu? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est pleine de vie pour nous ce matin.